Et on veut accueillir nos frères, la famille de Nambi, son mari qui est venu pour la première fois en France, avec ses deux enfants Nambi et ton époux, venez. Alléluia. Docteur Nambi. Dr. Nambi. Une prophétie était sortie ici. A prophecy came out here, was saved. Que son mari allait venir avec les enfants et voilà comment le Seigneur l'a accompli. Will come along with their children and here they are. C'est beau. It's beautiful. Tu veux parler? Would you like to speak? Ah ben t'as bien prêché. You preach really well. Ah, mais c'est à vous. La famille est au complet. The family is reunited. Bonsoir à tous. Good evening, everyone. J'ai pas les mots. I'm speechless. Seigneur, encore est-ce que je rêve? Et je fais comme ça, est-ce que c'est vraiment... It feels like a dream. Est-ce que c'était... Le Seigneur a fait d'une manière the way that the Lord operated. Je voudrais vous faire écouter la prophétie, parce que moi, à chaque fois que je reçois une prophétie, moi j'enregistre pour témoigner après lorsque ça... Ça s'accomplit. I would like to allow you to listen to the prophecy that was released a couple of months ago because I like to record prophecies when they are released to be able to worship the Lord whenever they come true. Écoutons la prophétie. Moi, je ne savais pas qu'elle avait enregistré. Il va te réunir avec famille. On augmente le son là, s'il vous plaît. I saw a great door. Apocalypse 3:8, c'est pour toi. Revelation 3:16 is for you. Wow. Wow. On peut remettre encore là. Il va te réunir avec ta famille. Ils vont. The Lord has opened a door for your family. J'ai vu une grande porte. I saw a great door. Apocalypse 3:8, c'est pour toi. Revelation 3:16 is for you. Wow. Lord. Une porte était ouverte et la famille allait arriver et la famille est arrivée. So the prophecy basically was saying that a door was going to be opened. And the whole family was going to be reunited with her through that door. And this is the realization of this prophecy that you guys are seeing right now. Mais il a tellement, l'enfant a tellement attendu ce moment. This child has waited for this moment for so long. Et louer le Seigneur. To talk to you and c'est to normal. Praise the Lord. On le laisse avec le micro. It's normal. Just give him the mic. Bonsoir à tous. Good evening, everyone. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. I really don't know what to say. En tout cas, je suis très, très
c'est même pas le mot, content d'être avec vous ce soir. J'ai tellement attendu ce moment. I'm so happy. I've been waiting for this moment for so long. Que maintenant, tellement le Seigneur est fidèle. The Lord is so faithful. Lorsque, si je peux témoigner un peu, lorsque quand on a préparé le visa, when we applied for the visa, chez nous, c'est d'habitude c'est tellement difficile de préparer d'obtenir le visa que tout le monde c'est que c'est quasiment impossible d'obtenir un visa. Back in Madagascar, it is so hard to get a visa to come to Europe. Au bout de quelques jours même, alors que pour le mien, c'était seulement deux jours. But it only took 2 days for me to have my visa. Même moi j'étais étonné parce que on s'est dit parce que le TLS nous a envoyé le message que le visa a été renvoyé. Et moi, je croyais pas parce que c'était trop rapide. Trop facile aussi. Et après, on ne pouvait que louer le Seigneur. Donc, gloire à notre Père Yeshua. Aussi, pendant le voyage, c'était vraiment dur. So during the flight, we had a very difficult flight. Ça se sentait que l'ennemi n'était pas content. It really felt like the enemy was not happy with us coming to Europe. Déjà, pendant mon départ, j'étais appelé par la douane parce que mes bagages, en passant le scanner, parce que moi, j'avais emmené des petites écrevisses et c'était perçu comme quelque chose de pas net. Et so, when I was at the airport on my way to Europe, I had issues with customs because when my bags make it through X-rays, I had brought some crawfish and it was mistaken for something harmful. Et on a fait tout un film avec. Et c'était moi je sentais que l'ennemi n'était pas content qu'on arrivait, mais finalement, and they gave me a hard time about it. On est là. But eventually we were able Papa. To make it here. So we give all the glory to the Lord. Juste une petite précision par rapport au visa. Parce que j'étais en mission au Congo avec les bien-aimés. Et la réponse, c'était le 7 décembre, au 7e jour de la mission et au 3e jour du dépôt. Voilà. Donc c'est pour moi, c'était vraiment la signature du Seigneur. So basically when I applied for the visa, they received the visa on the 7th of December, which was 7 days after I applied, and it only took 3 days. So it really was the signature of the Lord. Acclamons, acclamons Yeshua, le roi des rois, élevons son nom. Oui, tout genou fléchira sur la terre comme les cieux. Toute langue confessera qu'il est digne, Adonai Yeshua, Shia. Partons, oui, levez la tête, levez-vous pour l'éternel. Le roi de gloire, rien fera, rien sera, c'est Yeshua, c'est Yahweh.
puissant, Dieu est le puissant. Acclamant, acclamant notre Père. Ça commence tôt. Suddenly early. À Madagascar, presque tout le monde chante. In Madagascar, almost everyone sings. Amen.